petit changement. On travaille sur l'encadrement de porte. Et donc, on va bientôt plus voir ce qui n'était pas très joli. C'était dans la cloison alvéolaire, on avait mis des bouts de tasseau sur lesquels là, Samy est déjà venu ici mettre le chêne qu'on a travaillé dehors. Et là, on fait pareil sur la partie salle de bain et la partie chambre. Après, clouer avec le cloueur le bois et il nous restera aussi là l'intérieur parce que c'est pas très esthétique. Et donc, il faut qu'on voit ce qu'on met, si on met du chêne, si on part sur du médium, qu'on peint. Et qui est là, qui profite? Il dort, je crois. On a mis son panier là. Parce que habituellement il reste sur le perron, mais là il voulait être dans son panier. Donc comme il fait doux aujourd'hui dehors, on le laisse ici. Encore des petites finitions pour avancer sur ce projet chambre-salle de bain. Finalement, j'ai l'impression que c'est ce qui prend le plus de temps. Couper, ajuster, retirer, remettre, recouper. Mais bon, c'est indispensable, on veut vraiment finir cette pièce de bout en bout pour ne pas avoir à y revenir. Bon, voilà la galère. Donc en fait, quand on avait acheté la porte, on avait vu que la plinthe dépassait un peu plus que les moulures. Et finalement, quand Samy a fait ses bois, il n'a pas pris ça en compte. Ce qui fait que là, quand on les a fixés, alors celui-là, on n'a pas encore fixé le bas, mais la porte, elle passe pas. En fait, on s'était dit qu'il fallait qu'on rabote cette partie-ci. Et on l'a pas fait, ça nous est sorti de la tête, puisque on l'a acheté il y a déjà plusieurs mois. Donc on va essayer de la faire sortir sans tout abîmer pour régler ce problème. Ça suffit. Mais ça passe, il y avait à peine... Non mais là c'est bon, on t'a enlevé plus de la moitié. Pas trop. Voilà, on a les chefs qui ramassent... qui mangent tous les petits copeaux de chêne. Ça, ils adorent. Mon cacao. Y'a que moi qui travaille. Le toutou qui soupire là-bas. Hein, Trevor? T'as beaucoup travaillé? Première couche de vernis pour protéger la porte qui est faite. Maintenant, faut attendre que ça sèche et après, on égraine et on refait une deuxième couche. Je viens de terminer le dernier égrenage avant la couche de vernis finale. Et en fait, vous voyez, on a laissé les restes de l'ancien vernis qu'il y avait à certains endroits, puisque c'est une ancienne porte et on avait envie
de garder un peu de côté ancien et ne pas la poncer non plus à vif. Et comme ça, on a un aspect un peu brut et c'est plus sympa. Ça y est, on a réinstallé la porte qui est toute belle, bien vernie, avec les deux encadrements qui sont faits ici. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de peindre dehors. Puisque vous voyez, là, on a le double encadrement, la porte au milieu. Mais quand on ouvre, et ben ici, on voit la cloison à le volet derrière. Donc Samy a fait un bout de bois en médium que je suis en train de peindre en blanc pour cacher cette partie-là. Et puis ici également, on va terminer ça pour que ce soit plus joli. Puisqu'ici, on voit toute la structure, le rail, la cloison alvéolaire. Et le but, c'est de mettre un morceau ici aussi qu'on va simplement peindre. Et on ne fait pas en chaîne, donc en médium comme à l'intérieur. Puisque cette partie-là, après, ne se verra plus, puisqu'il y aura ici un dressing. Petit atelier peinture à l'extérieur, là, qui a bien avancé. J'ai presque fini. Et on est en automne, mais on a aujourd'hui 27 degrés, avec un plein soleil, ce qui n'est pas du tout normal. Et voilà, donc les arbres commencent à avoir leur jolie couleur d'automne. Et on a tous nos marrons qui tombe par terre. Et les marrons, ben, on peut rien en faire parce que ça se mange pas. Et Samy est reparti pour un tour de rabotage du chêne. C'est pourquoi ça? Pour faire un test? Ah d'accord. Bon bah, test en direct. C'était donc la première fois qu'on utilisait ces outils, c'est pas très concluant. Et c'est un petit peu dangereux, donc on va mettre la défonceuse sous table, ce sera beaucoup plus pratique. Ça, tu le couperas en deux ou tu le laisses comme ça? Comme ça. Il était parti sur une double moulure de chaque côté pour la porte. Mais bon, pour moi, il en faut qu'une sur le côté extérieur et faire droit en continuité de l'encadrement sur l'intérieur. Beaucoup mieux, n'est-ce pas? Cette petite défonceuse vient aussi de chez Vevor pour moins de 100 euros. On est plutôt très satisfait du résultat de la puissance. On vous met un lien en description. Finalement, il s'est fabriqué un support pour mettre la défonceuse sous table. En fait, on n'a pas de table, donc le système d'ela, c'était de faire comme ça avec palette. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins ça fait l'affaire. Et on préfère utiliser la scie, enfin la défonceuse sous table, parce que ça permet d'avoir vraiment une moulure bien bien homogène, sans à-coups, par rapport à quand on le fait par-dessus. Thank you.
Non. Regarde. Eh ben. Nos copeaux de chêne, là, ils nous servent pour les chèvres en ce moment. Je les mets dans leur cabane, je les tale. Dans chacune de leurs cabanes, comme ça, ça leur fait un petit coussin bien sympa, plutôt que la paille, ça change. Parce qu'en fait, on nous a dit que les copeaux de chêne, il fallait pas les mettre dans le potager. Donc je les garde pas pour le potager, je les mets pour les chèvres. N'hésitez pas à nous dire ce qu'on peut en faire d'autre, sachant que j'ai déjà mis les copeaux de sapin au niveau de la jardinière de la terrasse. Bon, ça y est, nos baguettes pour l'encadrement de porte de la salle de bain à galantage sont terminées. On a fait du coup une moulure juste sur un côté. Je sais pas pourquoi Samy voulait les deux, mais on a décidé d'en faire que un. Je trouve ça plus logique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai poncés au grain 240 et je vais venir les teinter. Il faut savoir qu'on a mis quand même avant deux couches de xylophène pour être sûr qu'il n'y ait pas d'attaque par les petites bestioles dans les années à venir. Et pour la teinte, habituellement, j'utilise les petits échantillons Rubio. Là, mais là, on arrive sur la fin. Il m'en faut encore un peu pour une petite niche de la tête de lit. Du coup, je suis en train de créer une teinte sur mesure avec ce qui nous reste parce que j'ai pas envie qu'on rachète des échantillons de couleurs, etc. pour stocker. J'ai vraiment envie qu'on vide tout ce qu'on a. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça là, qu'on avait acheté. C'est en teinte chêne clair, c'est un vernis. Et comme il est trop clair, je mets un petit peu de teinte de brou de noix dedans pour le foncer, pour que ça aille un peu plus avec les couleurs de la porte ancienne et que ça matche mieux. Donc voilà, ça nous fait une petite mixture et je vais l'appliquer. Après on laisse sécher 2 heures, on reponce et ensuite on remet une deuxième couche. J'utilise le fond du pot là, je sais pas si on va en avoir assez. Je sens que il va falloir qu'on en rachète. J'ai l'impression que ça va peut-être pas suffire, on va voir parce qu'il reste vraiment rien du tout. Bon, je suis obligée d'arrêter le chantier. Pas parce que j'ai un toutou qui m'embête, mais en fait je sais pas de quel côté il faut tenter les deux dernières et j'ai regardé dans la niche, j'ai l'impression que les deux vont, donc comme Samy n'est pas là et qu'il rentre à 22h du travail ce soir, on va attendre qu'il rentre et on fera ça un autre jour. On va aller tondre? Ouais? Tu vas te rouler dans l'herbe? Ouais. En fait, je vous emmène avec moi en cuisine pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on ne montre pas la cuisine. Elle est toujours pas finie, bien évidemment. Je sais pas si vous voyez là, mais on a l'accès au cellier buanderie qui est toujours pas fermé et qui ne sera fermé que quand on pourra avancer dans le cellier buanderie. Ici, la crédence, elle est toujours pas faite. On s'est vraiment attardé sur le chantier chambre-salle de bain pour être assez confort cet hiver, sachant que là, on est en automne, mi-octobre, et
que c'est pas du tout terminé. Les meubles blancs, là, si vous vous souvenez, tout ce qui est blanc, ce sont les meubles de seconde main. Et nous, on avait racheté les meubles placage noyé avec les meubles d'Ilo qu'on vous avait montré dans une vidéo précédente. Et en fait, ce qu'on a fait, comme ici, c'est vraiment très très blanc et ça se fond pas trop avec le reste. On est allé racheter des joues pour faire l'encadrement ici en noyer. Et il nous reste aussi toutes les plinthes à faire ici, là vous voyez pas, mais c'est pas fait. Et aussi un petit rangement également en noyer. Ce qui fait que là, tout est ouvert, ça c'est du stock pour le futur cellier. Donc on est loin, loin, loin d'avoir fini cette étape de cuisine. Et moi j'ai hâte que ce soit terminé. Par exemple, on a déjà nos luminaires et pourtant ils sont toujours pas installés. On consomme nos courgettes du jardin pour faire un petit gratin ce soir. Et en fait, toutes les épluchures, vous nous dites souvent de faire du compost, mais on fait pas de compost parce qu'on donne ça aux chèvres. Vous l'aurez compris, en Normandie, on est adepte du beurre et de la crème. Je ne sais pas si ça vous a plu, en tout cas, de voir la petite cuisine avec moi et du coup la crédence. Donc, il faudra qu'on la pose ici avant de pouvoir mettre nos luminaires, qui sont exactement du même design que les trois luminaires de l'îlot central. Il nous restera donc aussi tout l'encadrement à changer ainsi que la plinthe en noyer. Ici à fermer quand on aura avancé l'autre pièce. Et aussi ici à fermer avec le futur bureau puisque en fait vous voyez on a les plafonds comme ceci et la cuisine ici. Donc c'est pas hyper pratique pour la poussière. Et on a profité également de faire les soubassements dans la chambre pour commencer ceux de la cuisine. C'est pas fini, je vous en montre pas plus et on vous montrera ça dans la vidéo finale de la cuisine.